Good morning. Allez, Idan et Sussur aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Micha, Ben Masouda, Nachman Yosef, Ben Nachum, Avram, Renor, Ben Fortuné, Mazal, Dov, Ben Yudit, et Nissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Tamid, Perekva, Ve Mishnaref. Echelu, Olim, Ben Ma'alot, Ha'ulam. Mishé Zachou, Bedishoun, Misbeach, Apenimi, Veha, Menora, Hayumakdimin, Lifnehem. Mishé Zachou, Bedishoun, Misbeach, Apenimi, Nichnas, Venatal, et Tateni. משתחווה ויצא, מי שזכה בדישון המנורה, נכנס ומצא שתי נרות מזרחיים דולקים, מדשן את המזרחי ומניח את המערבי דולק, שממנו היה מדליק את המנורה בין הארבעים. מצא אור שקבע, מדשנו ומדליקו ממזבח העולה, נתן את הכוז ממעלה שנייה, משתחווה ויצא. נו קונטיניון הדטאייה, לקטורט ולמנורה, כמו סספס, איבא פלואר, s'attarder un petit peu, remémorer quelques Mishnayot. D'abord, nous renvoyer jusqu'à Perek Gimel Mishnah Tet, apparemment. Et après, rappeler quelques Mishnayot de Mishnah du Perek He. Et comme ça, on pourra comprendre la Mishnah Vav. Mais pour le moment, je commence à traduire la première phrase. Echelu Olim Bema'alot Ha'ulam. Ils ont commencé à monter les marches d'escalier en direction du Ulam. Le Ulam, c'est le hall du Echal, et la Mishnah m'a dit comme ça, « Mishé zachou m'bidishoun mizbeach apnimi, ceux qui avaient été désignés pour vider les cendres du mizbeach apnimi, du mizbeach qui était à l'intérieur, le mizbeach hazav de la Ktoret, et de la menorah, eh bien, hayou mekadmin lifnen, ils devançaient et ils entraient auparavant pour commencer à finir leur travail. » Et on s'arrête là, et on commence à expliquer un petit peu de quoi on parle. C'est qui tous ces personnages-là? On a tous les rôles. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Vous vous rappelez, au deuxième tirage au sort, premier tirage au sort d'abord, on avait désigné celui qui allait lever les premières cendres. Après les Kohanim, les premières cendres, ils les jetaient dans le Makom Adeshen. On va en reparler dans la prochaine Mishnah, de ce Makom Adeshen. Là, on mettait les premières cendres du Mizbeach. Je vous explique tout de suite, je vous dis quelque chose qu'il va y avoir dans la prochaine Mishnah, ça, là, on est en pleine préparation à cela justement, c'est que les cendres aussi du Mizbeach, Aktoret et de la Menorah, on va aussi les sortir et les mettre aussi dans cet endroit. Et là, il y avait le fameux miracle qui se passait, c'est qu'on les posait par terre et ils étaient engloutis par le sol. D'accord? Donc, on a un double travail en fait qui se passe. Il y a d'une part, vider les cendres de la veille, on a déjà commencé la avoda depuis maintenant assez tôt dans le Perek Gimel, mais on ne l'a pas fini parce qu'il a fallu faire le Korban Tamid en plein milieu. On va rappeler les raisons pourquoi exactement. Donc il y a d'une part vider les cendres et d'autre part allumer la Ktoret et préparer la menorah pour le soir et éventuellement même rallumer quelque chose comme ce qu'on va voir. D'accord? Donc il faut travailler sur deux plans. Vider les cendres et aussi faire brûler la Ktoret. Maintenant, la Torah a insisté, c'est des du de Psukim qu'on avait rapporté à l'époque, que c'était des jeux de mots avec Baboker, Baboker. En fait, le Korban Tamid du matin, donc le sacrifice perpétuel, qu'on faisait tous les matins et tous les après-midi, le Korban Tamid du matin, il doit être, du matin comme de l'après-midi, ils doivent être accompagnés de l'allumage de la Ktoret, brûler la Ktoret. La Ktoret, c'est l'encens sur ce Mizbeach, avec en plus de ça, un travail sur la menorah, soit allumé, soit pas toujours allumé, comme ce qu'on va expliquer, la différence entre le matin et le soir. Là, la menorah, c'était essentiellement du soir jusqu'au matin. Mais il y avait malgré tout deux nérotes qui restaient allumées, comme ce qu'on va voir encore dans notre propre Mishnah. Il y avait maintenant, donc la Torah, elle insiste que ces trois choses-là, donc le Korban Tamid, avec en plus de ça la Ktoret et la menorah, se soient entremêlés. Tu commences un peu l'un, tu fais le Korban Tamid et tu continues l'autre. Et après, tu finis encore le Tamid. D'accord? Ça devait être entremêlé. Donc en fait, il ne faut pas se perdre, ce n'est pas compliqué. Mais dans le Perek Gimel Mishnah Tet, on avait, ou peut-être, je ne sais plus, Mishnah Vav, Tet, vers la fin du Perek Gimel en tout cas, il y avait plusieurs Mishnahot qui en parlaient, on avait commencé à préparer la Menorah et le Mizbeach Hazav d'avant le Tamid. Maintenant, on a déjà fait la shrita du Tamid, on a déjà commencé à faire monter les membres, même si on n'a pas fini de les brûler. On va continuer ces avodotes-là. D'accord? Donc en fait, ce qui s'était passé, maintenant pour rappel, dans la Perek Gimel Mishnah,
Allez, je fais attention, c'est écrit Bemet dans Père Gimel Mishnah Tet. On avait appris qu'il y avait deux Kohanim qui étaient entrés. Vous vous rappelez, c'est les Kohanim qui avaient ouvert le Echal. Ils passaient par le petit piche-pêche. Ils entraient, ils ouvraient la porte du Echal, on entendait les bruits des portes. Et après, ils commençaient à vider les cendres du Misbéar et un petit peu les mèches et les restes d'huile dans deux ustensiles. Un qui s'appelait le Teni et l'autre qui s'appelait le Kouz. Un, c'était le Teni, c'était une sorte de grand panier, il fallait tout vider dedans. Et le Kouz, c'est un ustensile un peu plus petit, puisque c'est que contenir des mèches et des restes d'huile. Et voilà. Donc, maintenant, avant, quand ils étaient entrés avant le avant le Corban Tamid, en fait, lorsqu'ils étaient entrés avant le Corban Tamid, ils n'avaient pas fini leur travail. C'est-à-dire, celui qui devait vider le Misbéar, lui, il avait rempli tout son ustensile. Il n'avait plus rien à faire à l'intérieur, mais il l'a laissé à l'intérieur. Pour quelle raison? Parce que, comme ce qu'on va voir dans la prochaine Mishnah, quand il va falloir ensuite prendre ses cendres et aller les jeter, ils doivent venir tous les deux ensemble. Un avec les cendres du Misbéar Haktoret, et l'autre avec les cendres de la Menorah, ils doivent sortir ensemble. Or, la Menorah, on ne pouvait commencer à lui vider les cendres qu'après le Korban Tamid. Donc du coup, celui qui est venu débarrasser les cendres du Misbéar, il a laissé le Teni, il a laissé poser là-bas. Le Teni, donc le panier, il a laissé poser là-bas. Celui qui avait fait la menorah, il avait commencé à organiser 5 nérotes. La menorah, on avait dit qu'elle était dans le sens dans ce sens-là, de l'ouest vers l'est. Et en fait, il avait déjà vidé les 5 nérotes qui étaient les plus internes. Et les 2 nérotes externes, il les avait laissées, il les avait même rallumées pour le moment. Et maintenant, dans notre Mishnah, on va s'occuper maintenant d'aller vider ce qui reste pour ensuite sortir tous les deux. Autre principe, lorsqu'on a fini un travail au Beit HaMikdash, on finit par se prosterner. Se prosterner, c'est s'allonger par terre. Totalement. D'accord? Pichotia Daim Bargalim. Maintenant, on commence. Donc, on reprend maintenant la Mishnah. Oh, alors, excusez-moi. Ça, c'était le travail pour vider les cendres. Maintenant, dans la Mishnah. La Mishnah Perikei et Mishnah Dalet, on avait désigné, Mishnah, même Gimel, Bet, même j'imagine, Bet, on avait désigné celui qui allait faire, qui allait faire brûler l'actorette. C'est pas la même, il y a une personne qui va vider le misbéar de l'actorette et une personne qui va allumer l'actorette. C'est deux choses différentes. D'accord? Il y a. Et donc, du coup, lui, vous vous rappelez, ils étaient deux Kohanim. Un Kohen qui porte l'actorette et l'autre Kohen qui amène les cendres. Donc c'est eux qui vont s'occuper de rallumer l'actorette. Pour la menorah, il n'y avait pas de tirage au sort. Parce que même de deuxième tirage au sort, parce qu'en fait il fallait juste vider les restes de la menorah. Parce que concrètement, la menorah, je vous ai dit, on l'allume du soir jusqu'au matin. Il y avait un miracle qui se passait, qu'il y avait un nerf qui restait allumé jusqu'à l'après-midi. Et de ce nerf-là, on rallumait le lendemain soir. On mettait la même quantité dans tous, il y avait un nerf, le nerf Amaravi, qui est en fait le deuxième, depuis qu'on rentre dans le Echal, le deuxième qu'on rencontrait, il restait allumé pendant 24 heures. De lui, on allumait les nerfs l'après-midi, après le Korban Tamid l'après-midi. Après, on éteignait, on le vidait totalement. Maintenant, après Shimon HaTzadik, alors malheureusement, il n'y avait plus ce miracle qui se produisait. Donc du coup, le Kohen allait devoir rallumer ce nerf. Comme ce qu'on va voir, tout ça dans notre Mishnah, et puis on peut commencer maintenant, ça va aller vite. Et Chelou Olim Bema'alot. Il commençait à monter sur les escaliers, à la Bema'alot, à Olam, sur l'escalier du Oulam. Ces escaliers-là, vous voyez, vous avez le même dessin en PDF, et des escaliers, ils commencent à monter. Qui? Les deux personnes qui vont allumer la Torette. Celui qui vient avec le petit ustensile de Torette. Pardon. Et celui qui entre avec l'appel de cendre. Maintenant, Mishezachu bedijun misbeach apnimiv menorah yu makdimin lifnem. Les deux personnes qui avaient déjà été désignées très tôt le matin pour vider le misbeach apnimi et la menorah qu'on avait appris dans Perek Gimel Mishnatet, eh bien, ayu makdimin lifnem, ils courait avant eux, c'est-à-dire les deux, ils commencent à monter tranquillement sur le Olam, on a deux autres Kohanim qui étaient déjà désignés, qui avaient déjà commencé à travailler le matin, ils refoncent, ils courent dans le Echal pour finir leur travail.
Celui qui avait eu le mérite, qui avait été désigné pour vider les cendres du Mizbeach Apnimi, eh bien, Nichnas, Venatal, Ateni, et Ateni. Il entrait et il prenait le Teni. Ça y est, il pouvait prendre maintenant ce gros panier où il y avait les cendres, il ressortait, il attendait dehors son copain, mais attention, il se prosterne et il ressort, parce que maintenant c'est fini. Pour aujourd'hui, il a fini de rentrer dans le Echal, tu as fini ta Avoda, tu viens, tu te prosternes. Mishezacha Bedishuna Menorah, celui qui a eu, par contre, qui avait eu le mérite, qui avait été désigné pour vider les cendres de la Menorah, que pour le moment il n'en avait fait que 5, et qu'il en restait encore 2. Alors, Nichnas, il entrait, lui, jusqu'à la Menorah, assez profond, ou Matsa Shteinerot Mizrachim Dolkim. Et lorsqu'il arrivait, il trouvait qu'il restait encore 2 nerfs, 2 fioles, qui étaient encore les fioles de l'Est, c'est-à-dire puisque la Menorah, elle était dans le sens de l'ouest vers l'est, donc c'est les deux externes, c'était les deux fioles les deux veilleuses de l'est, pas de l'ouest. Shteinerot Mizrachim Dolkim, il est trouvé qu'elles étaient allumées. Si elles étaient allumées. Et donc, Medashen et Mizrachi, lorsque les deux étaient allumées, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il va commencer à vider les cendres de celle de l'est, de qui est plus à l'est. Il va laisser la deuxième, en fait, allumée, tandis que celle qui est la plus proche de lui lorsqu'il arrive, et bien maintenant, il va être Medashen, il va l'éteindre si elle est allumée, il l'éteint, et il va vider toutes les cendres et tout le reste d'huile. Par contre, au Maniyar, et ça implique aussi qu'il remplaçait, qu'il remettait l'huile et qu'il remettait aussi la mèche pour rallumer cette menorah l'après-midi, après le Korban Tamid de l'après-midi. Au Maniyar, et Ravi Dolek, il laissait le nerf, la fiole, qui était plus à l'ouest, c'est-à-dire la deuxième en fait. Entre les deux, c'est celle qui était le plus à l'ouest. Il l'a laissé, elle, allumée. Shemimenu ayamadi katamenora ben arbaim, car c'est à partir de cette fiole, de ce nerf, que l'on va allumer la menorah dans l'après-midi, après le korban tamid du ben arbaim de l'après-midi. Maintenant, Metsao Shekava, s'il avait vu que ces fioles s'étaient éteintes, bon ben, alors qu'est-ce qu'il fait? Medashno, il les nettoie toutes les deux. La précédente, bien sûr, celle qui était à l'est. Et la deuxième aussi, il la nettoie, il vide tout ce qu'il y a dedans. Ou madliko mi misbeach haola. Il la remettait, il remettait de l'huile dedans, il faisait tout ce qu'il faut pour qu'elle va brûler pendant tout l'après-midi. Maintenant, pour la rallumer, il n'avait pas de briquet, il n'allait pas chercher du feu de n'importe où, il devait remonter sur le kevesh pour prendre, avec une brindille, avec un morceau de bois, il prenait une flamme d'ici, pour ensuite repartir à l'intérieur, allumer à partir du Misbeach, c'est déduit du pasouk Leha'alot Ner Tamid. Leha'alot Ner Eshenemar Ba Tamid. Tirtiv Leha'alot Ner Tamid. Plutôt, c'est dit plutôt de Esh Tamid Tukad al Misbeach Lotirbe. Alors là, je me suis trompé. Ça venait pas, si c'est ça, si c'est déduit de ce pasouk, logiquement, c'est que c'est de ce bûcher, ce troisième bûcher, qui était le bûcher du Ner Tamid. Il y a écrit dessus. Il y avait un feu qui restait constamment allumé sur le Mizbeach, comme le nous dit le Pasuk. Eshtamid Tukad à la Mizbeach, l'otirbe, il y aura un feu qui brûlera toujours sur le Mizbeach, éternellement, constamment. Maintenant, Chazal, on déduit que Eshtamid, le Esh, Eshenemar, Batamid, Lehaalot Ner Tamid, puisque pour la Menorah, on a utilisé l'expression de faire brûler le nerf Tamid. Alors du coup, ils ont déduit, Chachamim, qu'il fallait chercher le feu d'ici, du Mizbeach Ritson, pour allumer le fameux nerf à Maharavi, le deuxième nerf. Ensuite, il a fini maintenant de rallumer le dernier nerf, il a fini de tout vider, il a le kouz, qui est l'ustensile où toutes les mèches et les restes d'huile se trouvent là. Eh bien, Natal et Akouz, Mima Alashnia, il prenait le kouz qui était resté sur la deuxième marche, vous vous rappelez qu'il y avait 3 marches devant la menorah. Il l'avait posé par terre dans la deuxième marche, maintenant il était encore posé par terre. Il le ramasse, Vishtachava, il se prosterne, Veyatza, et il sort dehors. Et la prochaine Mishnah, elle va nous faire le détail maintenant, comment est-ce qu'il partait, le jeter, vider les cendres dans le Makom HaDeshen, Vezrat HaShem, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.